Ben, bonsoir, je m'appelle Catherine Villeray, je suis membre de l'association Tiers Lieu et Dieu entre autres. Et en fait, j'ai créé un Maker Lab associatif il y a environ 2 ans que je continue à développer. Et le but, c'est un Maker Lab nomade. Donc le but, c'est de proposer des labs. J'appelle ça des labs parce que c'est à titre expérimental à chaque fois, puisqu'il faut... il faut adapter en fait un petit peu des ateliers pour les enfants en fabrication maker aid, c'est-à-dire pas seulement numérique, ça peut être de la fabrication tout court, ça peut être du stop motion, ça peut être plein de choses. Et l'idée, c'est de favoriser de démontrer par le faire comment on peut l'implanter dans une classe ou dans un lieu comme un centre aéré ou un musée ou lors d'un événement, comment on expérimente en fait l'apprendre par le faire. Et donc j'essaie de démarcher, de faire des démarches pour pouvoir rentrer un petit peu dans les écoles et aider les professeurs et les enseignants en proposant des ressources et en trouvant des moyens pour qu'une fois que je suis plus là, ils puissent prendre le relais. Mon objectif avec l'association, c'est de favoriser le développement de l'apprentissage par le faire et la pédagogie de projet, et aussi de façon frugale, et en mélangeant éventuellement la technologie avec l'artistique, en développer la créativité chez les enfants, et donc de créer des ponts entre les disciplines, et de favoriser tout ça. J'ai expérimenté un petit peu partout déjà et je suis en cours de développement. À côté de ça, je suis aussi responsable du Kids Coding Club à Montreuil, où je mets en pratique là sur un modèle plus localisé, dans un Fab Lab fixe, et où je peux aussi développer justement grâce aux machines les contenus pédagogiques. Donc l'idée étant de favoriser le fait que les enseignants puissent aller vers les Fab Labs pour pouvoir ensuite, puisque je partage les ressources, fabriquer les ressources qui leur permettront de créer les ateliers dans les classes. Voilà. Merci.